tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous présenter une toile que je vous ai déjà présentée, mais la toile à la fin de la vidéo était décédée. Donc je vous la représente puisque je vais envoyer la vidéo à Lisa puisque c'est un partenariat. Donc du coup je vais vous la représenter entièrement, je vais faire une belle vidéo dessus. Donc du coup hop, ça se présente comme ça. Là, il n'y a plus rien. J'ai juste enlevé le plastique qu'il y avait autour hein, et j'ai vérifié que c'était bien ça. Donc du coup, quand vous êtes en partenariat avec elle, vous avez ce stylo-là. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un concours pour vous les faire gagner. Allez sur Instagram. On est le 27. C'est le jour de l'anniversaire de mon fils. Aujourd'hui, je poste sur Insta... Non. Est-ce qu'il faudrait que je mette la vidéo tout de suite? Non. Le 1er février, on va dire. Le 1er février, je poste une photo avec le stylo là. Vous venez vous inscrire. Il faut être abonné à mon Insta et à, à ma chaîne YouTube. Et du coup, je vous ferai gagner. Je tirerai quelqu'un au sort et je vous ferai gagner ce stylo là. Voilà. Donc ça sera cadeau. Pour le 1er février, n'oubliez pas. Et vous aurez quelques jours ou 24 heures ou 48 heures. Je suis désolée pour le bruit du téléphone. Voilà, je l'ai mis sur vibreur. Donc là, on a la feuille de route que je trouve toujours aussi aussi nulle, entre parenthèses. Hein, parce qu'il n'y a pas la photo. Donc voilà. C'est une 36 couleurs. Après, je vais vous la présenter vraiment dans les grandes lignes parce que... vous l'avez déjà présenté, donc on va essayer de pas faire la même bêtise. Donc c'est du rond. C'est du rond la première fois, en plus elle s'était trompée, elle me l'avait envoyé en carré. C'est du rond. Il y a des jolies couleurs, franchement. Alors je sais pas si vous voyez bien, bien. Voici. Ah, j'arrive pas à me repérer dans la caméra. On dirait que ça faisait 15 plombes que j'ai pas tourné. Donc voilà. Et alors, je vais vous présenter le kit tool qui vaut le détour. Bon, ça va, le plastique, je ne sais pas c'est quel plastique, mais il ne fait pas un bruit comme des fois certains plastiques. Alors, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, par rapport à votre feuille de route, là vous avez le numéro de votre sachet. Le symbole, la référence DMC. Donc là, sur mon sachet, j'ai le numéro du sachet, ma référence DMC, et ça c'est le poids du sachet. Le souci c'est que là, en fait, sur ces feuilles de route là et chez Ibroderie, on n'a pas la quantité de pierres qu'il nous faut. Donc par exemple, si vous débutez, là vous savez que vous avez le sachet 2, que le sachet 2 correspond à ce symbole sur votre toile. Donc là, en l'occurrence, c'est un hashtag. J'espère que sur la toile, les symboles sont mieux faits parce que là, elle devait commencer à manquer d'encre et c'est pas tout à fait bien net. Bon, bref. Hop, 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 on range ça. Et alors, le kit tool. On a un kit tool assez basique. Elle a changé ses pinces. Oh là là! Mais même pas, elle a changé ses pinces. La pince, elle est tordue de chez tordue. Je pense qu'on ne peut même pas s'en servir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on peut s'en servir? Mais la machine, d'habitude, elle est bien droite, elle est bien pointue. Là, elle pique pas, non, rien. Je sais pas, elle est toute bizarre. Je crois qu'il y a eu un problème avec la pince. Mais de toute façon, ces pinces-là, moi j'en ai une plus pointue que ça de chez elle. Et elle n'a pas fait long feu, elle est en train de me lâcher. Tout ça, ça se tord au bout. Là, je crois qu'il y a un problème avec la pince. Je lui signalerai pour qu'elle vérifie ses autres kits, pas pour qu'elle m'en renvoie une. Hein. Loin de là, j'en ai rien à faire, j'en ai déjà plein. Mais je lui signalerai pour que si elle renvoie des kits à d'autres personnes, qu'elle fasse vérifier. Donc là, on a un multiplacer, de... Je pense que c'est 10 là. C'est vraiment le grand. Alors,
Oui, j'ai le dos abîmé là, hein. Désolée. Là, c'est l'embout classique, la mousse, le transparent. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, quand je me sers des embouts comme ça, c'est de prendre des pierres qui n'ont plus de référence, qui ne sont pas référencées DMC, et tu remplis dedans, tu remplis, tu remets l'embout. Ça a craqué. Tu remets l'embout et hop, ça fait un stylo qui fait. Soit t'en mets moins et ça fait du bruit quand tu fais, ou soit bah, ça te décore. Voilà. On a la barquette, qui n'est pas très très grande, hein, c'est une petite barquette. Avec bec verseur, ce qui est pratique. Et là, du double face en cas de que ça colle plus. Bon, moi je m'en sers pas, je mets pas du double face quand ça colle plus. Je remets soit de la colle en souris, en roulette, j'allais dire, voilà, en roulette à souris. Ou soit je mets de la colle directement, la colle universelle liquide et un gros pan de colle. Donc ça va. Donc là, je vais vous abaisser et je coupe, je vous abaisse et je vous reprends. J'avais coupé pour pouvoir vous placer comme il faut. Je pense que vous voyez assez bien la toile. Donc c'est pas facile parce que c'est une 50-70 et j'ai déjà monté le trépied. Donc ouais, déjà je vais vous montrer le dessin puisque du coup vous l'avez pas vu. Enfin pour ceux qui s'en souviennent, c'est celle-là. C'est le Mario sur fond de puzzle avec c'est la NES. C'est la NES, la toute première. Donc du coup, hop, hop, hop. Donc je peux vous l'ouvrir parce que moi je les stocke à plat, donc il n'y a pas de souci de rivière, de machin. Donc là je crois que je suis dans le cadre. Alors par contre, alors ça j'adore chez elle, c'est que la colle elle colle. La colle elle colle. Il va falloir y aller mollo. Par contre, le papier en un seul morceau, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan parce qu'après pour le tirer déjà c'est une galère. Et en le remettant, c'est comme ça qu'on fait des conneries et que il y arrive ce qui est arrivé la dernière fois sur la mienne. Donc elle est toute dans les tons. Ah, vous la voyez, elle est belle. Elle est toute dans les tons beige dans le fond. Là, on voit bien la console. Pour les manettes en bas, je vais rouvrir de ce côté-là après pour vous montrer. On voit bien le Mario, tout est très très lisible. Elle me l'a fait en 70 par 50 ou 50 par 70 comme vous voulez, dans le bon sens. Franchement, elle est top. Je peux pas vous la mettre dans l'autre sens. C'est bien dommage, mais elle est trop belle. Au niveau colle, ben, vous voyez, hein, ça colle super bien. Franchement, elle est super jolie et je suis super contente que maintenant, comme demande de choisir des kits, je ne suis pas obligée spécialement de choisir des kits qu'elle, elle fait, mais qu'elle nous laisse le choix de prendre à personnaliser aussi. Et maintenant, du coup, moi, bah, ça va être que ça, je crois. Donc, je me suis munie d'une très grande règle qui fait 50 cm. Comme ça, là, pour chasser les bulles d'air, c'est génial. Pour remettre le papier, c'est plus que bien. Donc, je vais le décoller dans l'autre sens. Alors, je vais la tourner. Ah bon? Parce que là, le bas, il n'est pas très net. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer le papier, ce qui m'embêterait si je l'abîme. Mais ça colle tellement et c'est tellement. Casse-pied d'enlever. Oh là là, on l'a malmené. Je la malmène, ma toile. Et voilà le bas. Le bas. Alors, 1992. Alors, je ne sais pas si c'est une photo officielle ou pas. Hein. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Il n'y a pas de logo d'une personne particulière. Hein. Il y a marqué juste Nintendo. Donc, je ne sais pas. Il y a marqué 1992. Moi, en soi, c'est pas le 1992 qui m'intéressait. C'était vraiment la photo qui me plaisait. Donc voilà, elle est très 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 belle. Franchement, elle est topissime. Et après l'avoir passée dans un sang, faire dans l'autre. Pour bien chasser tout ça. Donc bah, ça, c'est une de plus à rajouter dans les 55 qui me restent à faire. Voilà. Enfin non, ça fait 55 du coup, puisque monsieur en a commencé une grande. Que j'avais la grande Mario d'Halloween.
Donc du coup, là, ça fait 55 qui restent dans, dans le stock. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc du coup, bah, ça fait un peu doublon, mais j'étais obligée de la tourner. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.